Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Zelda Twilight Princess HD sur Wii U. Nous nous retrouvons au niveau du sanctuaire de la forêt avec une musique bien connue qui me fait kiffer. Du coup, j'ai vu une pierre qui m'interpelle. Oh mon dieu. Mais le loup, il est pas swag quand il chante, là. En plus, je me fail. RT. Mais what? Je pars en steak. Mon dieu. Ben voilà. Mais non! Mais non, pourquoi tu pars en haut? Écoute. Merci. Ah, quand même. What? C'est qui lui? Oui, donc Kibix. Oui, parce que quelqu'un demandait quelle musique c'était. La berceuse de Zelda dans Ocarina of Time. Ah merde, j'ai regardé le chat. Ah mais non, mais oui, je joue très bien Guitar Heroes. En mode normal ou facile, je sais plus. Juste avec trois notes. Pas plus. Non, mais avec le loup, j'ai du mal, hein. Je préfère encore l'ocarina. C'est bizarre. C'est Skull Kid, mais m'y a fait penser, mais... Je sais pas, c'est bizarre. Ah, mais non, mais au secours Laissez-moi tranquille. Alors, comme j'ai pas fini Majora's Mask, je sais pas trop ce qui devient à la fin du jeu. S'il redevient gentil ou pas, on verra ça quand je terminerai mon let's play. Mais non, mais please, stop hein. Heureusement, les one-shot. Mais je vais explorer un peu, je pense pas que ce soit tout à fait le moment. Mais on a la musique. Je kiffe. Alors après, Ico me disait par exemple qu'il dépensait tous ses rubis à la fin des donjons. Pour les rénovations et les gros achats. Mais faudrait que je prenne le temps de le faire alors. Qui c'est qui joue de la trompette? C'est toi là? Je vais te manger! C'est marrant. Quel petit lutin malicieux. Pour rester poli. Allez hop. Salut par où? Allez hop hop hop. Mais dégagez, écoutez. Merci. Il est où le trompettiste? Il est par là. Pas de spoil, ça tombe bien, j'ai pas vu. Ah mais non, mais dégagez. J'entends pas la musique, je crois pas. Ah, oh, mais laissez-moi passer! Est-ce qu'il serait là-haut? Link! 1 contre 1, on y sera encore demain. Utilise le cercle d'ombre. Ouais, bah écoute. J'avais pris l'habitude que tu sois KO, donc. J'entends pas la musique là-haut, je suis pas sûr qu'il soit là-haut. Ah, quoique. Non, non, c'est pour après, je pense. Il va nous ouvrir le chemin. Par ici. Si j'entends sa trompette. Pourquoi c'est orange? T'es où? T'es où, gamin? Il est de l'autre côté? Ah! Merci. Ah, sors de l'eau, sors de l'eau, sors de l'eau. Et laisse-le. Moi, c'est lui que je veux. Mon dieu. Ah, c'est ça. Enfuis-toi!
vil incarnement. Mais arrêtez de me faire caguer là. Oh punaise. Et du coup je me suis... Attends. What? Je me suis perdu, ça y est. Il y a eu un changement d'angle de vue, je sais plus où je suis. Twisted. Mais non, calme-toi Link. Calmos. Non, c'est pas là. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ah! Mince, oh! Pas du tout. Oui, par là, j'entends la musique. Donc par là. Mais qu'est-ce que j'ai... What? Je suis perdu, hein. En plus, ils me font caguer, là. Mon dieu. Pourquoi j'entends la musique ici? La musique est pas censée nous guider? Et ils sont de plus en plus nombreux là. Enfin de plus en plus vite sur nous. Pourquoi j'entends de la musique quand j'arrive ici? Y a plus rien dans la salle. Ah, eux qui me foutent des tartes alors que j'ai pas fini de charger mon attaque. Là, j'entends la musique. De l'autre côté, ouais. Normalement, c'est la musique le guide, mais c'est bizarre, j'ai entendu de la musique en revenant sur mes pas de l'autre côté. On dirait qu'il y a des moustiques maintenant. Avec sa trompette l'autre. T'es où? Je t'entends mais je vois pas ta trompette. T'es un peu plus loin. What? Il joue à cache-cache en plus. Il est là-haut ou il était en arrière? Oh mon dieu. Salut le légionnaire. Ah, peut-être par là, c'était fermé tout à l'heure. Oui. Allez hop. Bim. Allons-y. Voilà, il n'y a pas le choix par ici. Ouais. Oui, il s'énerve. Il tape de pied. Mais il fait encore ses rires. Bizarre. Putain, ta trompette, je vais te la faire bouffer, mon gars. Et je vous attends là. Il est où? Non! Vite! Non! Ils m'ont interrompu! Tiens! Et sinon, le décès, c'est prévu pour bientôt ou pas? Oui, bah 5 maintenant, bah oui, écoute. Son petit rire, il m'énerve. J'ai envie de lui mettre des tartes. C'est trop rigolo. Non! Il est où? Non! Mais non, mais... Oh putain! Oh punaise! Mais non, mais... Oh, il va me rendre cinglé. Hein. Ah non, c'est bon, on l'a vu. Bonne nuit, Sword. Pourquoi ça reparle de... Oh, ah si, de l'or. Hey! Tant pis pour le cœur. Ah, vous me gonflez. Je me fais harceler, hein. Non, et je t'ai eu, là-haut. Oh.
Ah. On t'a calmé? Bye bye. Quoi? D'accord. Bon, au moins, il nous a ouvert la porte, je suppose. Et ça, je pense que sans bombe, ça va avoir du mal à bouger. Bon allez, on y retourne. Du Minecraft PS4. En théorie, c'est pas prévu. On dirait un film d'horreur avec les bruits de Skull Kid. Ouais. Hurler. Attends, je jette un œil. Un coup d'œil. Ça, c'est pas... C'était sale ou pas? Oui. Un coffre. Attends, what? Ah, retourner. On s'en fout. Je m'attendais à une vraie interaction. D'accord. Peut-être qu'on peut faire autre chose plus tard, mais pour l'instant, que dalle. Hop. Ça claque comme pseudo, mais oui. Acide alors. Donc là non plus, il n'y a rien, ok. Bon. On va aller hurler au milieu alors. Ok. Oh non, mais... Oh putain. Bon, ça va, il y a le trait bleu. J'ai vraiment du mal, hein. Nous sommes les esprits tutélaires de ces lieux. Guide-nous jusqu'à nos positions originelles. Si tu y parviens, nous te ferons pénétrer dans le sanctuaire. Et on me dit, là, tu vas en chier. Mais non. Ça fait quoi s'il se percute ? Rentrez-vous dedans ! Je vais voir ce que ça fait. Ah, ça débloque. Alors, attendez. Ouais. Attendez, parce que là, du coup... Ah oui, mais vous vous êtes inversés les deux, vous êtes relou, hein. Punaise. Là, ça, il se passe quoi, là? Il me saute dessus. Aïe! Ça pique. On recommence. Alors, attendez. Ah oui, j'ai vu Girly, mais je suis en train de jouer, donc c'est pas le sujet du jour. Mais non, et voilà, du coup, putain. Bon, faut que je me concentre. Et alors? Qu'est-ce que ça fait? Bonne question. Et alors? Qu'est-ce que ça a fait? Là, vous allez être trop séparés, là, non? Mais non, ça ira pas. Si, ça ira peut-être, attendez. Comme ça, lui va être coincé, lui va revenir en bonne position. Mais non. Ah mais non, mais écoutez. Non mais ça va pas. Ouh punaise. Ils sont trop écartés. That ass, what? Ça va pas non plus, vous êtes trop collés là. Bouge plus. Reste où t'es toi.
Faut utiliser. Non, j'aurais voulu que t'ailles dans l'autre sens. Mais non, mais écoute. Faut que j'arrive à les reséparer d'un bloc, là, de toute façon. Non, comme ça. Mais oui, mais... Mais ouais, mais comme ils sont... Ils peuvent pas aller dans la même direction, c'est relou, ça. My code. Reste à ta place, toi, là-haut, là. Est-ce qu'on peut recréer un nouveau décalage? Mais est-ce que c'est dans le bon sens, le décalage? Ça change rien. My code. Il y en a un qui me fait chier dans le lot. Je ne sais pas comment y arriver. Tu vas galérer, mais oui. Casse-couille ce truc, mais pas du tout. Sors, attends, je crois que pour y arriver, il faut forcément qu'il regarde l'opposé de la porte. Donc, ils doivent arriver par derrière. Quoi? C'est Poro qui arrive par derrière, on a dit. Et là, il se passe quoi? Non, mais marche pas dessus. Coucou. Sur le fait qu'ils vont pas dans la même direction pour qu'au final ils atterrissent en même temps. Mais oui, mais j'arrive pas à réfléchir aux deux en même temps là, ça me stresse. Pourquoi j'ai fait ça moi? Punaise. Mais crotte de bique, vous me faites cagaille. Là, on peut recréer encore un décalage, ou pas. Si, on peut recréer un décalage, mais... J'arrive pas à planifier, en fait. Niam, écoute. Ah, crotte de bique. Non, non. Ça n'ira pas. Oups, punaise. Oui, on dirait que je prends des directions. Puis je tente des trucs jusqu'à ce que ça passe. Hein. Bon, on va recommencer. On recommence. Tac. Donc là il se passe rien. Là il se passe rien, très bien. Salut Maxime. Ça se passe au bruit. Quel bruit? Vladimir? What? Non. Mais oui, mais là, ils sont pas placés comme il faut. Ah! Ne serait-ce pas le début de quelque chose? Eh ben voilà, écoutez, c'est facile, en fait. Voilà. Voilà. Ici! Trop tard, tu as perdu la clé. Oh et oh! On n'a pas le temps. Noble animal, tu nous as ramené en nos positions d'harmonie. Nous allons donc te guider en la forêt sacrée. Mais pourquoi t'as dit Vladimir? Mais c'était hier sur LOL.
le vampire. Qui faisait des... Voilà, qui suce. Le vampire qui suce. Ça fait des bruits bizarres. L'épée de légende. Ah, nous y sommes. Mais... Oh putain. Fais pas chier le jeu. L'épée t'a reconnu comme digne de la porter. Le fragment de magie qui t'empoisonnait. Ça n'a vraiment rien à voir avec la magie des ombres. Fais attention. Si tu le touches, tu te retransformeras en loup. Cet objet est trop dangereux. Il vaudrait mieux le faire disparaître à tout jamais. Un moment. Et si nous faisions le contraire? Avec ça, on pourrait te transformer en loup à volonté. Après tout, Xanto a fait tous ses efforts pour nous le remettre. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Gna, gna, gna. Si tu désires changer de forme, tu n'as qu'à me le demander. Avec ça, si tu me demandes de te téléporter depuis la forme humaine, je m'occupe de tout pour t'envoyer à destination. Link, j'ai une faveur à te demander. Quelque part dans Hyrule se trouve le miroir des ombres. Tu ne veux pas m'aider à le trouver? Le miroir des ombres, c'est la seule chance que nous avons, que nous ayons pour retrouver Xanto. Eh bien parfait, nous revoici sous forme humaine et maintenant on a accès à la transformation à volonté, ça c'est cool. Salut Leandro. What? D'accord. Ils sont encore dans leur délire de mariage. Oh my god. Une question sur les copyrights Nintendo. Ils sont très relous. C'est ça la question? Oh là là. Ouais, ils sont très relous dans le sens où quasiment chaque vidéo, il y a une réclamation. Aucune des pubs que vous voyez sur les vidéos Nintendo, en fait, ne génère de l'argent pour moi. C'est que pour Nintendo. Bon après, oula. Est-ce qu'on peut le choper au grappin? Ce qui est relativement violent normalement pour un insecte. Mais ça marche. Un escargot. Hermaphrodite. Il est mâle et femelle à la fois. Très bien. Ok. Saludos. Salut. Ouais, du coup, Kibix, je l'ai vu par hasard. Merci pour l'indication. Hop, je voulais surtout voir s'il y avait un truc en hauteur de l'autre côté, avec le grappin par exemple. As-tu Mitomo? Non, pas du tout. Maintenant que tu peux te transformer en loup, et donc te téléporter, va à la salle du trône Zora. Attends, je vais quand même fouiller un petit instant ici. Avant de me barrer. Ah, transformation. Hop, un de plus. Alors par contre j'ai vu le compteur est à 19 alors qu'il m'avait dit 20. Donc le dernier doit être spécial, je suppose.
Salut Asnez. Cours, Sorator. Quoi? En même temps, je comprends Nintendo. Quand ils voient jouer Sorator, ils doivent s'arracher les cheveux. Oh et oh! Oui, Kokiri, mon gars. Toi-même, tu sais. Hein? Mais non! Mais il va où? Oula. Mais là, du coup, je peux me retransformer, mais bon, on va rester. Aïe! Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de rester comme ça. Quoique, on peut faire ça. Bim! Je te becte, moi. D'accord, c'est pas très efficace, hein. Ce n'est pas terriblement efficace. Oui, non, mais il y en a un peu trop, là. Transformation. Merci. Mais non, d'accord. Aïe! Fais pas yèche. C'est bon, il n'y en a plus. Parfait. Salut Geek. Hello. Non mais les copyrights sur les jeux Nintendo, c'est à foison. Après, ils ont un network. Hein. Mais c'est l'un des networks les plus vampiriques qui existent. Donc ils prennent la plus grosse part. Mais c'est la seule façon de ne pas avoir de réclamations sur leurs jeux. Après, c'est des réclamations sans conséquence. Hein. Je peux pas lui balancer un truc? J'ai pas envie de cramer une flèche pour ce machin. Et qu'est-ce que je fais ici à la base? D'accord, il a pété le truc. Ok. Et ça, ça marche. Aïe, mais non, mais écoute. Ok, ça marche. Mais d'où? Oh, écoute. Hein. Mon dieu. Un fragment de cœur. Je l'espère. De tout mon cœur. Mais... Oh putain. Putain, le joystick est ultra sensible et aléatoire. C'est bizarre. Oh oh. Parfait. Hop. Ouais, c'est un network. Il est plus terrible. C'est pas possible de s'inscrire si on y est fait. Ah bah j'en sais rien, je m'y suis pas intéressé. Je sais juste qu'ils ont lancé leur network. Et que c'est le seul qui permet de ne pas avoir de réclamation sur les vidéos Nintendo. Ce qui explique d'ailleurs que beaucoup de youtubeurs ne font pas de vidéos sur Nintendo. À part Alliance Rainbow, qui doit être, je pense, chez eux. Le contraire m'étonnerait. On va aller voir là-haut aussi. Ou alors c'est le seul chemin pour se barrer, peut-être. On va quand même explorer un petit peu la forêt en forme humaine, avant d'aller à Azora. Alors je sais pas pourquoi Kibix m'a dit d'aller au niveau des auras, si c'est directement pour la botte secrète ou pour autre chose. Hop. Ouais d'accord. Je crois qu'on n'a pas le choix de toute façon. Téléportation. Obligé. Donc on va rien explorer du tout. Mais du coup faut le savoir, attendez, parce que le machin il est planqué comme un item caché dans le sol lambda. On va quand même rejeter un œil en loup. Nintendo Money Money. Ben oui. Après, c'est dommage parce qu'ils se privent quand même du partage de leur jeu, entre guillemets, qui donne envie aux gens de jouer quand même. Mais quasiment toutes mes vidéos Nintendo, sauf quelques rétros où il n'y a pas, mais quasiment toutes ont le droit à des réclamations. Donc, on va aller voir les auras. La forêt, tu devras y retourner de toute façon. Mais où y a ce n'est cette musique? Ocarina of Time. Oh mon dieu. Pourquoi? Village des auras. Alors moi, la botte secrète est ici. Bon, je sais pas. Je vais faire ce que me dit Kibix, on verra. Vas-y Asnes, fais-toi plaisir. Pour la vidéo. Sécurité routière. Baba Yacide. Sorator PewDiePie a dit « Nintendo a oublié que nous, les youtubeurs, on leur fait de la pub. » C'est bien vrai. Vers l'infini et au-delà. Par contre, on va peut-être... Ils ont pas peur de moi, par contre? Apparemment, non. Redevenir humain.
Quoi ? J'ai pas lu. Si je te transforme ici, je ne pense pas que... C'est... Attends, quoi ? Je ne pense pas que les locaux s'en remettent. What ? Pourquoi ? Parce qu'apparemment, il y a un truc au fond de l'eau ici. Mais je sais pas. On va sortir. C'est bizarre. Elle peut me transformer... Enfin, je sais pas. D'où ça bloque. Le boss du chat m'a gavé. Ah, Castle Crusher. Mais j'aimerais bien qu'on l'attaque un peu quand même, mais... Ça va être compliqué, je crois, avec... Avec Johan et Asnes. Mais je pense qu'Asnes se laissera convaincre plus facilement. En gros, tu ne peux pas te transformer quand il y a des gens autour. Mais c'est des auras, ils s'en foutent, les auras. Oh. Écoute, le jeu... Donc tu fais juste 3 pas et c'est bon, ça n'a aucun sens. Hein. Par contre, tenue de Zora peut-être. D'ailleurs, pourquoi il me l'a enlevé ? Comment j'y accède ? Comme ceci. Ah, du coup, on a la nouvelle épée. Oh, oh, je l'avais même pas capté. Enfin, j'avais pas fait la différence visuellement. Ouh, sous l'océan. Hop. Ici, peut-être bien. Hop, parce que j'ai rien vu d'autre, hein, il me semble. Je vois des rubis un peu en hauteur, mais on s'en fout. Déjà que je suis quasiment full. Hop. Ça passe. Je pense pas que c'était ça que Kibix voulait que je fasse. Ça m'étonne. Non, la roche au centre. Quoi, ce truc ? Ça là ? Sérieux ? Ce machin ça pète. Woot ! Mais Woot ! D'où y a un goron dans la flotte ? Enfin ! Je suis sorti de là. Merci mille fois. Je faisais un petit somme quand je me suis trouvé pris dans cette lave. Quel cauchemar. Eh oui. Eh bien, je vais te faire un cadeau en remerciement. Oui. C'est tout ce que j'ai sur moi pour le moment. Ça ira ? Un sac de bombes. Oh oh, je peux porter 2 types de bombes. Merci, Kibix. Hop. D'ailleurs, par défaut, on remet celle-ci. À part qu'on est sous la flotte, bien sûr. Non, mais du coup, faut le savoir, ça. Ça te paraît pas logique que la caillasse que t'as ramenée, c'était un goron. Mon dieu. Est-ce qu'il y a autre chose à récupérer à part des rubis ? Je ne sais pas. D'ailleurs, pour finir, je pense qu'on va aller les dépenser pour finir l'épisode. La grande question, c'est... Est-ce que j'y ai accès ? On va aller voir la boutique, peut-être. Bon, on va aller parler au Zora qui est en bas. Ça se trouve, il y a un indice. Hein. Il y a peut-être un Zora qui te dit... Oh, tiens, cette pierre me paraît bien étrange. Ça alors, il y avait un goron à l'intérieur. L'énergie vitale des gorons est impressionnante. Difficile de leur garder rancune, bien longtemps. D'accord. Merci. Allez, hop. Hop. On sort de là. Par hasard, ouais, non mais faut... Et j'ai encore le même problème. Pourquoi tu vas pas à la surface ? Link ! Merci. Je sais pas pourquoi il bloque avant de remonter à la surface. C'est très bizarre. Hein. Ah, tu pouvais cibler la pierre ? D'accord, j'ai pas testé. Très bien. Ok. J'espère que ça... Ça aura appris des choses à certains.